Jennifer, tu viens de terminer ta formation de naturopathe encadrante de jeunes, donc félicitations. Merci. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation? Eh bien, écoute, beaucoup de choses. Je cherchais, ça faisait déjà un petit moment que je cherchais quelque chose qui avait un lien avec le jeûne et je ne savais pas trop bien quoi faire. Je pensais qu'il fallait absolument être naturopathe et tout ça. Donc, je trouve que tu as très, très bien expliqué. Il y a énormément de vidéos. J'ai pris énormément de notes, mais il y a des résumés. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ça m'a ouvert les portes. Je repars la tête, évidemment, plein, plein d'idées, même si je ne sais pas encore exactement où je vais m'établir. Mais en tout cas, voilà, je vais effectivement venir à la Grande Motte, parce que je pense que c'est la petite cerise sur le gâteau. Et donc, voilà, mille merci pour tout, parce que ça, voilà, je m'en sors vraiment enrichie. Voilà. D'accord. Et du coup, toi, tu n'as pas du tout de formation de naturopathe. Donc, tu es arrivée, tu n'avais pas toutes les bases. Comment tu as trouvé l'expérience, etc. Est-ce que tu as confiance maintenant? Alors oui, tout à fait, j'ai beaucoup plus confiance. Je ne suis pas du tout formée en naturopathie. Par contre, j'ai été formée dans une école ici en Belgique en thérapie brève, donc EFT, TAT, logosynthèse, etc. Je n'ai pas vraiment pratiqué, mais c'est un bagage en plus que j'ai. Donc je me suis mise aussi à la méditation, pas le yoga, mais bon, la méditation. Et je pense que voilà, hein, en prenant un petit peu des outils par-ci, par-là, plus la formation que je viens d'avoir avec toi, je pense qu'il y a moyen déjà de bien démarrer. Voilà. Génial. Bah, je te remercie. Merci beaucoup. Un tout grand merci, Justine. À plus tard. Merci.